Je prends plaisir à vous accueillir aujourd'hui, le 26 septembre 2024, au local de l'Office de la protection du citoyen, à la salle de conférence Victor Benoît, à la troisième séance des mercredis de la chaire, organisée en mémoire du feu professeur Montferrier Dorval. La chaire Montferrier Dorval de droit constitutionnel représente une initiative significative pour l'Université d'État d'Haïti et pour le paysage juridique haïtien. Inaugurée récemment, cette chaire a pour objectif de renforcer l'enseignement et la recherche en matière de droit constitutionnel. Tout en honorant la mémoire de Maître Montferrier Dorval, éminent professeur, avocat et feu bâtonnier de l'Ordre des avocats, tragiquement assassiné en 2020. Dans un contexte où les questions constitutionnelles sont au cœur des débats publics et sociaux, cette chaire s'inscrit dans une volonté de promouvoir une réflexion approfondie sur les valeurs fondamentales de la Constitution haïtienne. Elle vise à stimuler le dialogue autour des enjeux constitutionnels actuels, à soutenir l'état de droit et à consolider les institutions étatiques. Les personnalités impliquées dans la chaire, dont des professeurs et des praticiens du droit, sont appelées à travailler ensemble pour éclairer le débat public et proposer des solutions adaptées aux défis contemporains. L'importance de cette chaire ne réside pas seulement dans son rôle académique, mais également dans son potentiel à influencer positivement la société haïtienne en renforçant la culture du respect des droits fondamentaux et des normes juridiques. En s'appuyant sur l'héritage intellectuel de Maître Dorval, cette initiative aspire à pérenniser ses contributions et à inspirer les futures générations d'étudiants et de professionnels du droit. Nous aurons à parler aujourd'hui de l'identification nationale des droits, libertés, responsabilités et devoirs des citoyens. Nous donnons rendez-vous lors de notre prochaine rencontre où nous continuerons à approfondir des thématiques essentielles, c'est-à-dire le mercredi 2 octobre. La chaire Montferrier Dorval aura la quatrième séance qui sera sur ces thématiques, sécurité et défense. Aujourd'hui, je pense que nous allons aborder un sujet fondamental, le droit à l'identification. C'est l'un des droits fondamentaux et l'un des premiers droits, parce que le rapport que vous avez avec votre pays, votre patrie, est d'abord un rapport légal qui vous... C'est le document d'identité qui vous consacre. Bon, le fait d'être un citoyen, c'est fondamental, au-delà du fait d'avoir le papier, mais le papier atteste votre appartenance à cette terre, votre appartenance à ce pays. C'est pourquoi c'est fondamental et la violation du droit à l'identification est une grande violation. Et parce que sans le document d'identité, sans ce document qui confirme votre attachement à cette terre, vous êtes victime d'un problème grave dénoncé à travers le monde qui est le problème d'apatridie. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans plusieurs contextes, il y a des luttes énormes contre l'apatridie, c'est-à-dire contre le fait pour des personnes d'exister sans une appartenance concrète à une terre, à une patrie. Donc voilà, je voulais en ces mots très brefs vous dire merci, vous encourager le travail de la chaire, le travail de l'OPC, le travail de l'ONI, et vous encourager, vous étudiants qui croient dans le droit constitutionnel, qui croient dans l'avenir de ce pays. L'identification dans un pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est un pilier de la gestion d'un État moderne, donc c'est extrêmement important, comme on dit. Elle permet de donner aux citoyens une identité juridique, c'est-à-dire et quelqu'un qui est sans aucune pièce d'identification n'existe pas dans un pays. Tout simplement, il est peut-être là, il existe, mais il n'existe pas en tant que citoyen puisqu'il n'a pas d'identité juridique. Et si on prend en Haïti, à la lueur des quand on prend les données combinées de l'état civil et de notre côté au niveau de l'ONI, au niveau des archives nationales, on compte plus entre 2,5 et 3 millions d'Haïtiens qui n'ont aucune pièce d'identité. C'est un problème grave puisque on estime la population à 12 millions d'habitants,
Donc vous avez au moins le quart de la population qui n'a pas d'existence juridique, c'est-à-dire sans aucune pièce d'identité. Donc la reconnaissance juridique d'organiser les droits civiques, c'est-à-dire pouvoir assurer la représentation dans un tribunal, aller à l'université, pouvoir signer un contrat, pouvoir recevoir des fonds, etc. Donc il vous faut une pièce qui dit que, qui atteste de votre identité. Structurer la participation citoyenne à la vie publique, c'est-à-dire pouvoir supporter candidats, pouvoir participer à des élections, etc. Donc il vous faut cette existence juridique. En Haïti, l'identification des citoyens est particulièrement cruciale en fonction des défis liés à l'état civil. S'il y a un problème fondamental auquel Haïti est en train de faire face aujourd'hui, c'est le problème de l'état civil. Et de la façon dont les informations sont collectées, on ne peut établir aucune, mais vraiment aucune statistique de l'état civil en Haïti. C'est-à-dire, si je vous pose la question, combien de mariages il y a eu dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince aujourd'hui, l'information est là, mais elle n'est pas sous forme exploitable. Parce que vous avez les juridictions et pour les officiers d'état civil qui font l'enregistrement des mariages, des naissances, des décès, etc. Mais chacun a son registre de son côté et la transmission de ces registres selon le cadre légal qui doit se faire au février de chaque année au tribunal de première instance et dans la juridiction où se trouve l'officier d'état civil, eh bien, ces dossiers ne sont pas transmis à temps. Donc, on a un problème pour établir les statistiques d'état civil. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où se trouvent les citoyens, de quelle tranche d'âge les gens sont, et donc vous avez beaucoup de problèmes quand on ne peut pas établir les statistiques sur l'état civil et encore moins dans la diaspora haïtienne. Je rappelle à chaque intervention que avec 8 autres personnes formons ce comité et ce comité a pour mission d'élaborer un projet, un nouveau projet de société pour Haïti. Deuxième mission du comité de pilotage, c'est la révision de la Constitution. Et troisième mission du comité de pilotage, c'est de proposer des réformes institutionnelles et légales. Et à côté du fait que je participe avec 8 autres personnes au sein du comité de pilotage pour cette mission, je suis également membre de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Et c'est pourquoi il y a certaines questions qui ont été abordées ici, surtout en ce qui concerne le juge des libertés, et donc qui me sont d'arriver droit dans les oreilles. Donc, je suis là aujourd'hui à titre de président du comité de pilotage pour encourager la chaire Montferrier Dorval. D'ailleurs, nous nous sommes entendus sur le fait que il y a la chaire Montferrier Dorval dont les travaux vont orienter dans une certaine mesure les conclusions que nous aurons à prendre dans le cadre de la révision de la Constitution. Nous devons souligner également que les travaux qui sont faits en parallèle par la chaire Louis-Joseph Janvier et au niveau de l'Université Quisqueya, au même titre que la chaire Montferrier Dorval, ces conclusions seront prises en compte. À côté du fait que nous aurons à organiser à travers le pays des assises et qu'il y aura également des assises au niveau de la diaspora pour nous assurer d'avoir un texte constitutionnel qui correspond aux aspirations de la population. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour exprimer mes points de vue sur ces questions-là, puisque
en étant au comité de pilotage, je dois seulement utiliser mes oreilles pour écouter et ma tête pour essayer de synthétiser et mes doigts pour écrire ce sur quoi je constate qu'il y a un consensus.